vous dire au sujet donc de la place du Béguinage. Je regrettais l'orientation prise par l'aménagement de cette place qui malheureusement devient complètement bétonnée, bitumée, minéralisée. Il n'y a plus un espace vert dans le projet que vous nous proposez ici pour l'ensemble des parkings. Vous avez d'une certaine façon redessiné sur cette place pour finir qui est une place avec un trottoir, c'est-à-dire d'une certaine façon, le parking, vous ne l'installez pas sur la place, vous l'installez sur le trottoir, parce que c'est une petite, un espace surélevé par rapport à la voirie qui est autour. Je regarde bien. Là, quelque chose qui me perturbe énormément, c'est que cette place devient uniquement une surface complètement bitumée, aucun espace vert, il n'y a même pas la possibilité d'avoir une brindille d'air qui puisse pousser sur cet espace. Je trouve quelque chose d'inconcevable. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Vous pouvez laisser les parkings tels qu'ils sont maintenant, puisque vous avez voulu y installer 37 parkings. C'est énorme, je trouve, d'ailleurs. Surtout que vous avez la place Nervienne tout proche et vous pourriez, d'une certaine façon, déplacer une partie de ces parkings vers la place Nervienne et essayer de reverdurer, de faire en sorte qu'il y ait de la verdure qui revienne, qu'il y ait éventuellement des vasques de fleurs, qu'éventuellement, il y a de l'air qui puisse pousser autour des arbres qui existent déjà. Tout ça, c'est à penser. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a pu imaginer une place comme celle-là sans espace vert. Surtout que cette place, d'une certaine façon, c'est pas uniquement que le dimanche matin qu'elle fonctionne. Elle fonctionne en permanence. Ça devient vraiment un endroit beaucoup plus convivial qu'avant. Il y a toute une série de petits cafés sympathiques. Il y a même des commerces. Il y a un serrurier. J'avoue que c'est extrêmement froid quand vous allez y installer. Ça n'attire pas vraiment les gens. C'est un lieu éventuellement que de passage.